Hey, hey, hey Cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de Hunger Games of Sims Il nous reste plus que 5 candidats en course pour le trône, le trône de fer. Vous savez bien que nous sommes dans Game of Thrones. Nous allons tout de suite retrouver nos 5 eh euh, Sims encore concurrents dans la course du trône. Les voici, les voilà Ah, qu'est-ce qu'il y a T'as la gerbe, Il nous reste 3 filles et 2 gars ça commence à se serrer là. Les pronos euh, sont, sont ouverts toujours dans les commentaires. N'hésitez pas. Que vous connaissiez ou pas la série, pourquoi pas. Donc nous avons toujours Cersei Lannister, Sansa Stark, Petyr Baelish, Daenerys Targaryen et Geoffrey Baratheon. Aujourd'hui, ce sera une épreuve de. Résistance, encore une fois, résistance euh, cumulée à la fatigue euh, et euh, en gros, euh, le premier qui va se noyer dans la mer de Kings Landing sera, eh bien, le grand perdant. Puisque nous avons ici qui entoure cette magnifique construction une immense piscine, je vais les envoyer, eh bien, tout simplement, se baigner. Puis, je vais condamner euh, cet accès. Parce que euh, ceux qui connaissent la série, euh, vous savez le, la petite porte là euh, dérobée. Ben là voilà la petite porte dérobée. Elle est bien sympathique parce que la personne qui a fait le, le château est eh bien euh, a vraiment bien bossé. Regardez, vous avez un accès ici en fait et euh, vous avez un petit passage secret qui arrive ici. Donc je vais les faire venir jusque là et après, eh bien ce sera euh, euh, tout simplement, le premier qui se noie, eh bien, se noie. Voilà. Ça y est, c'est parti. Ils vont tous aller faire trempette. Un à un. Donc, ce sera après. Chacun son tour. ça elle est, est là-bas. Ah oui, elle nage à travers les pierres, c'est très logique. Il nous en manque deux. Les plus vieux. Bon. Il a enfin. Pris le temps de venir jusqu'ici Baelish, on va attendre que les jeunes reviennent. S'ils veulent bien revenir. Et... Ah ça y est, ils arrivent. Et enfin les jeunes oui, parce que c'est deux personnes d'âge mûr on va dire. Ok, c'est bon, alors je vais maintenant bloquer l'accès de cette petite caverne -là. Ok, les barrières sont mises. J'ai un peu galéré puisque vous voyez que normalement, quand je mets comme ça, il y a un gros rocher. Mais pour être sûr qu'il ne puisse pas prendre euh, euh, eh bien, euh, appui. Donc maintenant, on est parti. Ça va être euh, le moment de véridication. Oh, voilà. Euh, une chose, oui, une chose, parce que comme il y en a qui sont allés en avance et pas les autres, je vais re tous remonter les besoins. Voilà, ils sont à 100%, tous remontés. Ils sont très bien, ils sont nickels. Et on va enfin pouvoir commencer à les observer. Je leur mets un petit play, et puis c'est à eux de faire ce qu'ils qu ont envie. Bon, à part ça, je pense que ça va être l'épisode le moins satisfaisant, hein, parce que ça va être long. Et euh, ils ne ils pourront pas faire grand-chose dans l'eau, quoi. Qu'est-ce qu'il fait c'est moi ou il vient de larguer une caisse dans l'eau? Ah non, il a perdu son maillot de bain oh, Ah c'est bien dommage. J'ai cru qu'il avait vraiment pété. <laughs> Remarquez, ça aurait pu être drôle aussi. Ah, Sansa aussi est en train de perdre sa culotte. <laughs> c'est dommage. Bah, elle, elle est en robe, hein, parce que je, la, je lui avais mis. Euh, pareil que Geoffrey, je leur avais mis la, la tenue pour, euh, pour tout, en fait. Pour toutes les... J'avais mis ça pour toutes les tenues, quoi je veux dire. Donc du coup, ben bah, voilà. Il y en a, elles ont, je les aurais pas mis comme Dene, je vais pas mis sa tenue, donc elle a un petit menu de bain comme Cersei. Lui, il a juste le pantalon. Voilà, bon, mais ben, au moins ça change un petit peu, hein, comme ça. Euh... Bon bah, on va attendre maintenant. Hein. Ça, bah écoutez, vous ça ira toujours plus vite que moi, vu que moi, ben, je ne fais que attendre qu'il se passe quelque chose, donc euh, voilà. Ah 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 ah, j'ai cru entendre quelqu'un qui avait pris. Euh... Ah, c'est Sansa qui a bu la tasse. Attention, Sansa. Si tu te noies, bah, tu te noies, quoi. Bon, hein j'irai pas te sauver. Hein. Ah bah... Ah bah, ça y est, ils y passent tous. Ils y passent tous à boire la tasse. Oh Mais je sais pas si ça a une incidence bonne ou mauvaise après... Euh... Je sais pas du tout. Et ça se, elle, elle est juste hystéro, quoi. Super. Super. Ah 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 Vas-y, ça Noie-toi! Ah, 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 Vas-y, Cersei, noie-toi! Ou pétir. Hmm. Ouais, ouais je, franchement, je ne sais pas qui j'aurais envie qui meure à ce moment-là. Je... Bon, Cersei, c'est sûr. Euh... Mais bon, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Qu'est-ce qu'elle a? Ah, elle commence à pas être bien. Une crampe. Aïe, 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 aïe! Ouais. Mais je sais pas si ça a vraiment une incidence, s'ils peuvent vraiment se noyer à cause d'une crampe ou d'avoir bu la tasse. Donc euh, bon, on verra. Après, comme il n'y a pas de requin, puisque nous ne sommes pas vraiment dans la mer, c'est beaucoup plus safe. Mais c'est une très très belle piscine, n'est-ce pas <laughs> Magnifique même. Donc bah, on continue l'observation, quoi, tranquille. Ah, c'est vrai que j'avais zappé le fait qu'il pourrait avoir froid. Bah, écoutez, hein, c'est... Ah bah en plus de ça tu bois la tasse et ta froid vas-y c'est ça crève crève saleté crève bon sang crève <laughs> si seulement La nuit est tombée ce King's Landing et il continue de patauger Ils font rien d'autre hein Il parle pas, il sait la pas, il bouge pas euh, Bref, c'est cool, c'est bien Bon au moins ils... Ils apprennent à le fitness, là. Ils montent toutes leurs compétences en fitness. Ah bah. Pff. Lui aussi, maintenant, il a de la fièvre, mais ça devient n'importe quoi. Hein. Ils vont tous être malades, de toute façon. Bon, pour l'instant. Au niveau énergie, on est bien, hein, quand même. Ouais. À part l'hygiène et la faim qui descend, mais au niveau énergie, euh, on est plutôt bien. Ah. Vas-y, crève, crève, crève. Quelle tristesse Tu nous fais des faux espoirs, ça, là. Ça va plus, hein. Oh. Bon, ok, ça commence à, à être grave. Démangeaison, maladie. Euh, crampe, ok. Qu'est-ce que qu t'as que fait Toi, t'es content. Ah, et aussi une démangeaison. Non, mais ça y est, ça va être euh, l'affaire... Oula, Déneris à la tête qui tourne maladie. Ouais, non, mais ils vont être tous malades. Hein. De toute façon, quand ça commence avec un Sims dans une maison, euh, ils, ils deviennent tous malades. Ah ah. Petite Sansa ça a froid, elle est devenue bleue. On va surveiller ça. Ah ben bah non, non ça, ça essaye de devenir bleu. Pourquoi ça reste pas Pourquoi vous voulez pas mourir Hein Oh là, qu'est-ce qu'il y a, Dani Ah, Dani, elle a bu la tasse. C'est pas cool. Et lui, il a une crampe. Ok. Bon, ça commence à sentir mauvais pour tout le monde. Hein. Il, il se plaigne de plus en plus. Hein euh... Voilà, il y en a qui ont froid, il y en a qui ont des crampes, il y en a qui boivent euh, la tasse. Euh, c'est selon. Et lui, qu'est-ce qu'il a bah, Lui, il est content d'être méchant, il a toujours des démangeaisons, tout va bien. Bon, ça commence à sentir le moisi pour tout le monde. Euh, fin, vessie, et euh, ça y est, l'énergie commence à baisser également. Donc, bah, je surveille ça tranquillement. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils vont peut-être faire, faire pipi dans la piscine. Je sais que c'est possible dans l'eau euh, à soulani. Je sais pas si c'est possible de faire ça euh, dans l'eau en fait, enfin dans la piscine normale. Ah si, on peut Bon bah écoutez, moi je les laisse faire. Hein. Je vais pas les, les soulager, euh, c'est à eux de travailler euh, eux-mêmes. Voilà, hein. ils ont le libre arbitre. Oh là Oh là Ah c'était beau ça Ah là, ils se rebellent tous, là. je leur dis ah, ça veut de faire, et ben, voilà, ils sont, ils sont pas contents. Ils sont en train de me dire non mais tu es toute notre gueule là <laughs> C'est vrai que ça fait un beau nuage hein, ils pissent tous en même temps, ça va être beau. Perte de contrôle, ah bah c'est bien, ils vont faire pipi dans l'eau en même temps, oh ça va être sympathique, oh regardez tous ces nuages, ah bah voilà ça soulège quand même, un bon petit pipi dans l'eau, ni vu ni connu, on ne vous dira pas, ne vous inquiétez pas, je dirai à personne que vous avez pissé dans la piscine, personne ne le saura, est-ce que tu as pissé toi, oui toi aussi, hein. avec sa robe je l'ai pas vu, bon. Du coup, <laughs> chaleur inquiétante. T'es dans une partie chaude de la piscine. <laughs> Après, elle est quand même contente parce qu'elle s'est soulagée discrètement. Elle s'ennuie. Et l'énergie commence à être dans le rouge. Bon, ça va être tiny pour tout le monde. Hein. Ça va être vraiment dès qu'il y a le premier qui a l'alerte. Il faudra que je mette pause parce que sinon, euh, je vais tous les tuer. Quoi. Donc, ça va être quelque chose. Hein. Ah, nous avons ça. C'est qui a fait une tentative de flotter sur le dos. Mais. Ah, vas-y, bah si, elle a réussi. Voilà. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle faute sur le dos, tout simplement. Euh, L'épuisement, il est dans euh, deux heures un peu pour tout le monde, donc euh, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud pour les pour les départager. Je vous montre. Hein. Oh, Hop, deux heures, qu'est-ce qu'elle a Délirante maladie. Ah oh, oui, bah pour changer. Et euh, 59 minutes. Oh Geoffrey ah mince, oui, bah ils vont tous mourir en même temps, moi hein, je vous le dis. J'ai intérêt à être au taquet, quoi. Le premier qui, qui donne l'alerte. Ah Qu'est-ce qu'elles font Ah bah elles vont aussi euh, se mettre sur le dos, d'accord, très bien. Mais je sais pas si ça fait remonter un peu l'énergie ou pas du tout, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas l'impression non plus, hein. 33 minutes. Oh Ah bah non, Baelish Oh la triche Oh je suis tristesse Évanouissement Ah bah ça y est, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, ils vont s'évanouir seulement. Voilà, bon bah il y a encore quelques temps à attendre maintenant. Euh, mais toi, toi t'es... Ah non, toi t'es... Ils sont tous dans la période critique, maintenant ça va être le premier qui s'évanouit. Et comme il sera dans l'eau, pas de bol. Ça y est, le compte à rebours a commencé pour Geoffrey. Pour Cersei aussi. Pour... Sansa aussi. Oui, tout le monde est à la même adresse. Tout le monde est exactement au même timing. En même temps, c'est normal, je leur ai remonté les besoins au même temps. Donc ils sont vraiment tous au coude à coude. J'espère que je n'en perds qu'un seul, parce que ce serait dommage de devoir recommencer le truc à cause de ces petits Sims qui ne savent pas. Euh, eh bien, mourir, chacun à son tour. Moins de 10 minutes, en tout cas, pour Geoffrey. Euh, ah, 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 quel enfer. Oh là là. Je vous jure, j'ai la main sur pause. Et dès qu'il y a une annonce... Attention. Cersei Lannister est en train de se noyer eh, eh, eh. Cersei eh c'est noyé oh Bon, eh bien, c'est parfait. Donc, nous avons bien sûr... Sinon, si je laisse le jeu... Euh, voilà, tout le monde se noie, en fait, quasiment. Donc, euh, bah, sent ça aussi. Je vais essayer de les sauver, parce que ce serait pas juste. C'est Cersei qui a eu l'annonce en prunes Donc, c'est Cersei qui va mourir. Allez, Cersei Il est temps pour toi Mais non Mais je les ai sauvés Ils se meurent tous, ces idiots c'est une grosse blague, non, mais de toute façon, c'est pas grave, je les rajouterai. C'est pas un souci. <laughs> parce que je vous explique, même sans ça, elle est plus là parce que je les ai remontées à fond dans leurs besoins. Vous pouvez le voir, hein euh, Je les ai remontées dans leurs besoins, mais en fait, en, en, elle était la seule à avoir le truc encore noyade là, alors que les autres les avaient pas. Donc, normalement, voilà. Et euh, eh bien Sansa, en la redéboguant, eh bien elle, euh, elle s'est évaporée du foyer. Donc moi, je garde que Cersei, puisque ça a été la première qui a eu l'annonce comme quoi elle se noyait. Donc pour moi, c'est elle qui meurt, et les trois autres qui sont Sansa, Geoffrey et Daenerys reviendront bien sûr dans le prochain épisode, parce que sinon, ça veut dire quoi Que c'est Baelish qui a gagné Non, 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 pas comme ça pas à la, il faut Moi, je le veux à la loyale. Euh, S'il n'y a pas à la loyale... Ah oh bah, la, la faucheuse, elle est là, dans la matrice. Tout va bien. Moi, je veux quelque chose à la loyale. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique, cette petite euh, faucheuse. Oh, fais un sourire, ma belge, que je te prenne en photo. Donc, à la loyale. Voilà. Ça sera forcément... Ah, avec des exorcismes. En plus, il a pris une en prime. C'était un... T'es une enfoirée, petite faucheuse T'es une enfoirée Voilà, la faucheuse a pris tout ce qu'elle voulait. Maintenant, eh bien, on va faire en sorte que Baelish euh, ressorte de là. Hein, tu vas te téléporter là, mon petit. Pourquoi tu, tu penses... Euh... Ah, tu veux servir une boisson. Attends, tu vas te téléporter directement ici, peut-être. Voilà, oui, oui, d'accord. Si tu veux. <laughs> C'est du grand n'importe quoi Voilà Hein, pour l'instant, il n'y a que lui de rescapé, mais je vais réintégrer, bien sûr, les autres euh, participants. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour la suite de Hunger Game of Sims, pour savoir qui sera le prochain à quitter ce fabuleux château de King's Landing. Attendez, ici, on ne le voit pas bien. Voilà, je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.